Et bonjour, me voilà aujourd'hui au volant d'une nouvelle Mustang. Cette fois, c'est une Mustang cabriolet, comme on peut le constater. Et il s'agit d'un modèle d'une année 1965, et plus exactement 1964, donc fabriqué en 1964, donc ce qu'on appelle une 64 et demi. Donc vraiment un des tout premiers modèles de Mustang. C'est donc un code F avec un moteur donc de 260 cubic inch. La voiture est dans son bel, à part les jantes qui sont très très belles d'ailleurs, mais à part les jantes, elle est restée dans son état d'origine, y compris la couleur. Elle est beige à l'extérieur et bleue à l'intérieur. Une jolie combinaison de couleurs. Une très jolie peinture. Ancienne mais qui a été très très bien faite et qui reste encore très très présentable, très brillante. Pas de messure, pas de rouille, pas de bulles, pas de rayures, pas de très belle peinture. L'intérieur lui a été restauré de toute évidence parce que il est comme neuf, on le voit ici, hein, les compteurs. Même chose pour la moquette, les sièges, les intérieurs les panneaux de bord, etc. La casquette de tableau de bord, donc c'est tout neuf. C'est un modèle qui est équipé donc d'usine de l'air conditionné qui fonctionne. C'est un modèle qui est encore équipé d'une génératrice à la place de et non pas d'un alternateur. Et enfin, pour finir avec la liste des équipements ou des options, c'est un modèle équipé de la direction assistée et du freinage assisté. Frein à tambour à l'avant et à l'arrière, mais avec assistance. Voilà, donc au niveau conduite, elle est très agréable, très douce, silencieuse. La seule ligne d'échappement, peut-être pas d'origine, mais disons identique, conforme à l'origine. Donc voilà, une Mustang qui glisse, qui fait pas de bruit, qui est douce, très agréable à conduire. La pédale de frein est agréable, on sent l'assistance. Et un moteur bien réglé, un moteur régulier. Bonne transmission, bon, de toute évidence une voiture bien entretenue, qui a bien vécu. On tourne ici, on est un petit peu à l'ombre. Voilà, donc année 65, on dit ici early 64 and a half, donc construite en 1964, et donc un F-code. Ce sont rares et surtout en cabriolet et surtout avec cette combinaison de couleurs qui est agréable, très agréable, très jolie. La capote est noire, capote électrique bien sûr. Voilà, et tout fonctionne sur cette voiture. Voilà, j'ai pris pas mal de photos, on va voir un petit peu son look, son aspect extérieur et intérieur. Mais bon, encore une fois, une voiture qui est en très très bon état mécanique et très esthétique, très jolie, très agréable à conduire. Voilà, Mustang 65 cabriolet, et c'est terminé.